Bon, allez, c'est parti. On teste. On teste. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est au format Battle Road. C'est cool. Ah, c'est top. Franchement, c'est top. Parce que bon, à un moment donné, Vegeta Rush, Goku Rush, Histoire Infinie, tout ça, c'est ça se ressemble. Et c'était encore un Histoire Infinie. Ça m'a un peu saoulé, quoi. C'est cool. Ça, c'est cool. Et en plus, ouais, il y a un choix au niveau des boss. Bon, alors, un choix ici. Et du coup, c'est bien parce que notamment les items mémoire, ils vont se reset à chaque combat. Et du coup, ça change un peu parce que finalement, à part le Battle Road, il n'y avait pas d'autre event Battle Road. Parce que le mode Akeshin, c'est un peu un hybride. Donc, je suis content. Ah, c'est cool, les gars. Franchement, ça va changer un peu parce que bon, à un moment donné, l'histoire infinie, c'est bon quoi. Bon, par contre, Amni, ça va. Ah oui, par contre, il n'y a qu'un seul ennemi et la barre de vie, elle est grande. Enfin, les. Même en boîte route, quand il n'y a qu'un ennemi, vous savez, c'est en petit. Mais là, du coup, c'est en grand, ok. Peut-être. Ouais, le problème, c'est que c'est l'air. Ouais, non, on va faire ça. On va se contenter. Ah, mais il va pas stacker. Ouais, non, on va faire ça. Ah, ça fait chier, mais bon, faut qu'il stack, Boutenks. Bon, j'y vais un peu à l'aveugle, là, les gars. Je sais pas du tout les dégâts, ce que ça donne, non. Ok, 6000 sur Super C17, mais j'ai l'avantage, une bonne défense, donc... Je prends quand même un peu de dégâts. On va voir. C'est vrai que du coup, c'est un peu unique, parce que... Parce qu'on a que deux items dans un event type Battle Road, finalement. Alors, dans les Battle Road, on a toujours 4 items jusqu'à maintenant. Ah, maintenant, ce qui va m'intéresser, est-ce que je prends des dégâts en auto? Je dois avoir quoi, 150 KDF là? Ah, moi, s'il crève, non, mais. Ok. Bon, le premier boss a pas l'air très difficile, hein. Première vue, les gars. Et je pense que ça va chier après, à mon avis, hein. Probablement, parce que là, bon. Je prends 0 sur Boutin, ce qui doit avoir quoi, 150 KDF à tout casser. On va aller chez Krilin. Ah, ils sont deux! Ah, les petits malins! Les petits malins! Là par contre, oui. Le gain de puissance là il va me faire mal. Hein. Il va me faire très très mal même. Il attaque partout en plus là. Ouais. Mouais. Je le sens pas trop là. Je le sens pas trop les gars là. Vous le sentez ou pas là? Bon, on va voir, mais je sens la sauce là par contre. Hein. Ça sent la sauce. Hein. Ou pas en fait? Ou pas? Ça va. 90 000, ça va. Hein. Bon, par contre, ça a l'air de se payer vénère first position. Hein. Ok, bon bah ça va. Bon, j'imagine que ça va vraiment chier à la fin. Forcément. Ah oui, en plus, oui, elle est assez fragile. On a le tournis va piquer un peu quand même. Ouais. Ok, bon, non, pour l'instant, ça tape pas spécialement fort. J'ai l'impression que c'est un échauffement là. Ça sent l'échauffement, les gars. Je voudrais pas dire, mais... Alors oui, c'est vrai qu'on peut pas les stun. C'est vrai que j'avais pas vérifié les effets qui sont possibles ou non, mais... Ouais, on peut pas stun. Je sais pas si on peut bloquer l'aspect, mais... Je crois que oui, non? Ouais, on peut bloquer l'aspect, je crois. Hein. Alors ça va être intéressant si ça change déjà en fonction des boss, ça peut être intéressant. Bon, ok, on enchaîne. Vegeta. Donc ça c'est le Vegeta qu'on a vu, hein, vous savez. Après peut-être que voilà, mais en tout cas pour l'instant c'est juste un boss. Bah, le Boutek là, il va pas kiffer, hein, mais bon. On va faire comme ça.
puis on y va. Juste un peu peur à la fin, mais bon, ça devrait aller. Ok. Ouais. Bah, la boutinque, s'il va lui faire très très mal, ça va piquer très fort. L'aspect additionnel. Ok, let's go. Dommage, pas 3 MSP. Bon, Boutek, hein, tu prends pas trop cher, s'il te plaît. Ça va, ça va, ça. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Le bout, hein, le bout, le fameux, hein, le bout endurance, hein, vous savez, qui est médiocre, hein, n'est-ce pas? Vient de me régène, je crois, enfin, quoique, moins que, non, si, si, je crois, c'est lui, hein. Enfin, j'ai pas fait gaffe au niveau des PV, mais il me semble. Bon. Allez, Super C17, le finish. Enfin, le finish de rien du tout, en fait. Ok, vas-y. Ouais. Oh, l'aspect. Ah, est-ce qu'il a une spé bien? Ouais, c'est de la merde, ok, mais ok, bon. C'est pas grave. Bon, Vegeta, bisous, à bientôt. Ok. Dernier boss, à mon avis, ça va sûrement chier bien plus là. Ouais, et puis sachant que là il est basse forme, il va sûrement se transformer. Je pense que là les choses sérieuses vont commencer. On va regarder Super 67 par contre là, forcément. Je pense que là ça va chier les gars. Les trois premiers combats, c'est la mise en bouche quoi, c'est l'échauffement quoi. Allez, 52 000, ouais, tu sens que j'ai l'avantage, j'ai quand même une très belle défense. Et sachant qu'il a plusieurs phases. Bon, on va voir. Et Boutinks. Boutinks. Ok, Boutinks. Bon, après, là, j'ai pris une très bonne team, mais je rappelle qu'il y a des missions... Enfin... Peut-être un peu comme le Goku GT, hein. Le faire c'est pas si difficile que ça, mais faire les missions par contre c'est une autre histoire. Bah là je pense que ça va être plus ou moins le même délire, hein, lui. J'ai quand même pris une team très forte là. Hein. Ouais bah là... Ah ouais, je sais pas s'il change de type. Et ça le... Ok, let's go. Et Boutinks. Ok. L'aspect additionnel. On peut peut-être kill s'il en fait une troisième. La troisième. Ah, là ça va faire un peu plus mal quand même. Ah non, ça va, c'est ok, ça va. Ça va, ça va. Bon, après on a une bonne def, mais je m'attendais à plus quand même. Ok. Merci le ki. Ah ouais, le Dokken Mode arrive les gars. Pour le coup, assez simple de le garder pour le dernier boss, hein, clairement, parce que bon, les autres sont assez fragiles. Bon, là, il y a forcément une autre phase, hein, parce que là, si ça se termine, par contre, c'est... Non, c'est pas possible. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, Kaioken. Ah oui, donc il y a au moins... ouais. Il y a encore au moins une autre phase, forcément. Super Saiyan. Obligé. Alors, peut-être même deux. Avec un Genki Dama derrière. Alors peut-être même plus que ça.
Du coup, c'est un espèce de mixte en fait entre un. Ouais, un espèce de. En fait, c'est un début Battle Road, mais simple, et après ça finit en rush. Enfin, c'est un peu un mixte, ouais. C'est un espèce de mixte. Ah ouais, full attaque de moi. Ouais, je sais pas si va une transformation, on peut pas bloquer, j'imagine. Ouais, non, forcément. Peut-être pas faire ça maintenant. Hein. Putain, la fin il est endurance, hein, c'est pas bon sur celle LR. Hein. Bon. On a combien là? 240. Ah oui, Godoken mode. Hein. Bon, après, faudrait peut-être mieux le garder pour la toute fin, mais bon, là, ça commence à être un peu compliqué quand même de le garder. Ok. Ok, let's go. Combien? 4,5 millions, c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit critique là-dessus et c'est nickel. Allez, le crit. Dommage. L'aspect additionnel. C'est bien ça. C'est bien, c'est ça qu'on veut voir. Bon, il a pas envie de spé visiblement. Et vas-y, celle critique. Alors je rappelle que les personnages super, si vous les jouez, il y aura une barrière supplémentaire de 50%. Donc je pense pas, non. Vous allez taper 0 en fait. Ah ouais, total. Mais il va être quel type après? Il y a moins qu'il soit puissant quand même. Bon, je pense que t'es mort quand même. Ah, les enfoirés. Il y a 4... Attends, mais... Attends, donc du coup... Ouais, donc au moins 4 phases, quoi. Qui est incroyable. On va se contenter de ça. Hein. J'ai un peu la flemme de prendre tout ça avec lui, mais bon. Ok. Bon. Bon bah celle qui va gentiment passer son tour. Hein. L'aspect de Goku Namek. Bon, ça va. À l'avantage. Ouais, c'est ce que je me suis dit, ça se trouve l'aspect ouais, one shot, mais. Ouais, éviter de spoiler, hein. Je regarde limite pas le chat, mais jette un coup de temps en temps pour le cas où, mais. Mais spoiler pas, justement, parce que l'idée c'est d'y aller à l'aveugle. Hein, donc, Bon, jusqu'à maintenant ça a été, mais. Bon, il a pris cher, garçon, quand même. Hein. Allez, Bou, tue-le. Mais il tuera jamais. Aïe. Aïe. Ah bah en fait ça va. Ah ouais mais c'est la fiesta là. C'est la fiesta.
Ouais, bon, pas souvent. Avancer le Dokken mode. Bon, ça m'étonnerait qu'on ait le temps de leur proc, mais bon, sait-on jamais. Allez, let's go. T'as le bootek, j'ai pas de doublon, ça fait chier. D'ailleurs, c'est vrai que je me demande si je vais pas, pour les autres tickets, changer de portail pour tenter un doublon. Parce que... Ah, mais il y a un monde où il y a 5 phases, en fait. Hein. Parce que là, c'est Goku Namek, phase... Enfin, combat, ouais. À mon avis, il y en a 5, en fait. Hein. À tous les coups, il y en a 5. Oh putain, Bouane, là, c'est pas bon. À tous les coups, c'est ça. Hein. À tous les coups, il y en a encore une après, quoi. Ouais, donc vraiment, les trois premiers combats, c'est une mise en bouche. Genre de ouf, quoi. Genre, c'est. C'est vraiment une petite mise en bouche avant de faire le vrai boss, quoi. Elle fait l'aspect sur Super 6-7, là. Voilà, c'est bien. Enfin, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces SP encore à Goku Namek puissance en vrai. Elles sont magnifiques. Franchement, regardez-moi ça, ce Kamehameha. Mais, putain, mais. Ouais, j'adore. Hein. Mais bon, je veux le nouveau quand même. Je veux quand même le nouveau. Bon, c'est le tank. Allez, Bouane. Est-ce que Bouane tank à contre-type? Oui, bon, ok. Bonne nouvelle. Beaucoup de régène dans cette team en vrai. Hein. C'est. Beaucoup de régène. Et le bootek, 3 millions quand même sans doublon, c'est pas mal. Hein. Bon, par contre, à la fin, je peux me faire défoncer. Hein. C'est vrai, je sais pas. J'y vais un peu. Je peux faire mal à la fin. Presque lien 10 bootek, quoi. Presque. Pas de crit. Mais bon, Fatbou, à ce stade, il a quand même une bonne défense. Mais bon, si on mange l'aspect, ça va être 300k, je pense, hein, quand même. Ah, bon, bah, vite être fixé. Je pense à un bon 300k dans la gueule, hein, au moins. Ok, oui, je m'attendais pas autant quand même. Bon oui, ça commence à plus trop plaisanter quoi. Ok. Ok. Bon, on est d'accord. Bon, vous pouvez me le dire, mais il y a encore une phase derrière, non? Il y a encore une phase derrière, j'imagine. Donc du coup, ouais. Hein, non? Oui? Oui? Ouais, voilà, donc avec encore une phase derrière, bon, voilà, c'est quand même, c'est qui va taper encore plus fort, voilà, sachant que derrière, il y a des missions quand même, hein. Donc, voilà, c'est quand même pas mal, c'est ouais, y a du challenge, quoi, c'est, le début, évidemment, paraissait extrêmement simple, si c'est le cas, mais après, ça part en couille, donc, attention, attention, bon, après, j'avais pas encore item, hein, évidemment, on aurait pu finir sans trop de problèmes, mais, quand même, attention. Bon, en tout cas, voilà pour le premier essai. Bon, évidemment, on va refaire d'autres essais avec les missions notamment. Il y aura des vidéos sur chaque mission. Enfin, si on arrive à tout faire, accessoirement, hein, mais ça devrait le faire. Mais bon, en tout cas, voilà pour la petite découverte du nouveau mode de jeu qui est plutôt sympa, du coup, qui est une... Enfin, c'est une espèce de mixte avec un... Enfin, Battle Road, mais en vrai, enfin, vite fait, parce que l'aspect Battle Road est vite... Enfin, vite mis de côté. Mais c'est une espèce de première phase de préparation. Et ensuite, tu affrontes le boss sous forme d'un rush, hein, on va dire. Mais d'un côté, c'est bien ouais, pour mettre en place les rotations. C'est plutôt cool. Bon, c'est voilà, c'est un espèce de mixte. Je trouve ça plutôt sympa. Ça change un petit peu. C'est pas mal. Bon, sur ce, petit pouce bleu. Si tu peux pas s'abonner, c'est pas déjà fait. Et bisous à tous. À très bientôt. Salut!